Bonjour à tous les amis, c'est DarkAngel1462, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures d'Isaac sur l'USG Ishimura pour la quatrième partie. Donc c'est parti, on avait fait péter le bordel, on avait récupéré tout ce qu'il fallait et on fallait qu'on retourne voir notre camarade, on va dire, si je dis pas de bêtises, qui est en galère. Donc nous avons récupéré le trancheur, bien sûr, magnifique arme. Nous avons le max de munitions, on est pas mal, on est bien équipé, on est blindé. Et j'entends déjà du bruit. J'entends déjà énormément de bruit. Et voilà, bon bah écoutez, on avait sauvegardé, on a arrêté la vidéo à la fin du chapitre. Décidément. Bon bah épisode 3, c'est parti, voilà. C'est parfait. On peut sauvegarder tout de suite, c'est un peu débile. Correction de parcours, votre... J'ai pas vu. Alors, on se promène dans l'Ishimura. Parfait, ce qui est magnifique. Vaisseau, il est grand, il est beau, il est moche. Isaac, on a deux problèmes et très peu de temps pour les résoudre. D'abord, les moteurs sont à sec. Ensuite, la centrifugeuse ne fonctionne plus du tout, ce qui fait quelques milliards de tonnes de roches qui nous tirent vers le bas. Il faudrait redémarrer la centrifugeuse, recharger le moteur principal et le relancer pour stabiliser notre orbite. Et en gros, c'est à moi de tout faire, quoi. Tu te fous pas de ma gueule. Ah, sérieux. Allez, des crédits. Alors pour le son par contre, j'ai vu là, donc le troisième épisode j'ai essayé de le régler. Il m'a l'air encore quand même fort, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai baissé le son du stream, enfin le son du jeu dans le stream. J'ai baissé de 10%, plus encore dans le jeu je l'ai baissé, donc on verra bien. Oui. Du monde, des morts. Moi aussi je veux jouer, je veux un soda. Ça c'est des munitions pour trancheurs. Encore des munitions pour trancheurs. Les stocks, on va d'abord fouiller. Ça, ok, l'ascenseur. Qui nous mène où cet ascenseur? Centrifugeuse, voilà, il va falloir que j'y aille de toute façon, je crois que c'est là que je dois aller. Presque. Presque. Il me demande d'aller là-bas. Ah, c'est l'autre porte. Je crois que c'était les améliorations. Journal de bord, ingénieur en chef, Jacob Temple. Ça fait 2 jours qu'ils ont cassé cette planète et que Matthew s'est mort. La panique, les émeutes. J'ai vu. C'était rien à côté de ce qui allait suivre. Nos amis, nos équipiers, partis puis revenus, différents. Ils sont là pour nous tuer jusqu'au dernier. Rucker a disparu ce matin. J'imagine qu'il est déjà mort. Mes hommes sont terrorisés. J'essaie de garder un œil sur eux, mais pour l'instant, on a un problème. On perd énormément d'énergie et les moteurs sont à la peine. Je vais aller aux réserves d'énergie avec Danvers, voir si on peut y remédier. Terminé. Alors, j'ai vu la bestiole volante, là. Et ça me plaît pas. Alors, on va déposer tout ce qui est trancheur, hein, je pense. Alors. Alors, dans le trancheur, on dépose tout. Balle d'assaut, on va garder. Énergie plasma aussi. Alors, on a pas mal de plasma. Les dents trancheurs, c'est par 6, ok, pas mal. Balles d'assaut, on en a pas mal aussi. Par contre, on est un peu en manque de soins. Est-ce qu'on se prendrait pas quelques kits? 2000, le mini kit de merde. Par contre, j'ai un point de force. Je pourrais m'en acheter un. On va attendre, hein. Allez. Alors, la suite c'est par là. Bonjour.
ça se bouge. Oh là là. Ça c'était sûr. Vous niquerez tous. On la fait pas moi les mecs hein. Alors en plus faut que j'aille vraiment là-bas. Hop 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 hop. Ah encore des messages. Je ne sais pas ce qui se passe, le vaisseau aurait été attaqué. Et qui voudrait nous attaquer ici? D'abord le capitaine meurt et maintenant une attaque. Selon Carmack, c'est un membre de l'équipage qui l'a tué. Foutaise. C'est le chaos ici. Je ne peux plus attendre. Je ne peux plus atteindre la passerelle où que ce soit. Ou qui que ce soit. Tout le monde va tenter de fuir de cet enfer. Je devrais faire pareil. Alors. Ah, j'en ai qu'un, je crois aussi. J'en ai qu'un. J'ai envie de le garder si j'ai une porte quand même à ouvrir. Ah ouais, ça c'est la machin. Ok, la portée du machin. Il y a alors tellement de trucs à débloquer là, je me souvenais plus qu'il y en avait autant. On va d'abord passer de côté. J'ai vu une petite salle, c'est bien sympathique là. Ça par contre. Ça par contre. Non, c'est juste pour dire danger. Si je tire dedans. Non. Bonjour messieurs. Simple, c'est pas bon. C'est beaucoup trop simple autant de munitions. Magnifique le kit de soins, j'en voulais un. J'ai vu un truc. De soins, oui. Et il y a un truc en dessous, c'est obligé. Tiens, là c'est bon, passé. Yeah.
Non, faut que je fasse les deux réserves, je parie. On viendra. Bonjour la tête. Plein d'énergie activé. Où j'aille à l'autre, je parie. Voilà. J'ai envie de fouiller moi là, voilà. Je sais pas pourquoi je veux fouiller. Ça c'est rien. Je sais pas où je vais, mais j'en reviendrai plus tard. À mon avis, c'est pas là. Alors, ça c'était sûr. Alors, monstre ou pas monstre? Je vais m'en prendre un sur la tronche, un truc volant là. Sortir le gros joujou. Il est où? Ok là. Ça va les gars? J'espère que vous avez kiffé hein. Oh, j'avais pas vu la bombe. Objectif derrière, on s'en fiche. Oui. Les gars, ça revient même. Il y a beaucoup trop de choses. La bombe là. Je vais la prendre. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va m'amuser. T'as kiffé hein. Hein? C'est où? La droite. Les gars. Deux. Si t'arrives à passer à travers les murs, t'es pas dégueu.
ça c'est bon. Bon, on se débrouille pas trop mal, hein, franchement, jusque là. C'est quoi ça, encore un message? Schéma, découpeur. Hein? De quoi inventaire plein? Ah d'accord, je peux pas tout cumuler, bah écoute, ça fait bien longtemps. Merci. Plein d'énergie activé. Moteur principal prêt pour activation. Quoi que vous ayez fait, ça marche, Isaac. L'énergie est revenue. Les réserves sont pas pleines, mais si vous relancez le moteur, notre orbite devrait s'éteindre. Non, qu'est-ce que... Non, 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 tu vas me tuer. Tu peux pas me tuer, espèce de con. Merde. Ah, y'a que ça, ok. Sur le mur, fallait pas. Ouais, j'ai presque plus de munitions, hein. Bah, ça va me servir, hein. Pour prendre du découpeur. Hein. On va tout changer d'arme. Ah, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Fallait pas le laisser vivre. Fallait pas le laisser vivre. La ferme, Tepper. La ferme. Message important. Tempo le rapport. Quelqu'un a coupé l'alimentation du moteur principal et il a bousillé les soupapes. Il faudrait les réparer avant de les rouvrir, mais on manque clairement de temps. Sans moteur en état, nous dévierons de notre orbite d'ici 10 heures. Je ne comprends pas qui a bien pu faire ça. Si c'est un de ces enfoirés d'unitologues cinglés, ça va saigner. Denvers disait qu'il viendrait. Il fallait pas le laisser vivre. La ferme, Denvers. Et passe-moi le matos. Terminé. Je suis là, les copines, venez. Hein. Youhou. Je t'ai vu. Quoi? Allez où, machin? Il m'a paumé cet abruti. Ah, oh, punain, non. Saloperie. Il faudrait qu'il y en ait un ici. J'ai pas envie d'ouvrir. Oh putain, j'y ai, il fait chier. On va y aller au trancheur. Mort. Chier. Bon, maintenant faut monter. Combustible, découpeur. Découpeur. Ça me dit quelque chose. Si industriel. J'ai plus de points de force. Si j'en ai 2, 3. Ah, je peux m'en acheter tant que je veux. On va se déposer le moyen.
Recharge de stase. Oui. Non, c'est une recharge d'air. On déplace la stase. On déplace une. Dent de trancheur. Wow, wow, wow. Faut qu'on décale des munis là. Alors par contre, je vais prendre de l'énergie plasma. Prendre. J'avais pas ouvert ça. Je pense que c'est là, ouais. Où allons-nous, je me le demande, chers amis. Après Dead Space, je vous avoue que le 2 et le 3, j'y ai jamais joué. Mais apparemment, le 1 serait le meilleur. D'après tous les gamers. Ce serait le plus flippant, on va dire. Un peu comme Dino Crisis, quoi. Le 1 est le meilleur parce qu'il est plus orienté survival, tandis que le 2, il est plus bourrin, quoi. Je pense que le 2 et le 3 de Dead Space c'est pareil, même si je les ai. Hein. Je les ai ces deux jeux, hein. Je les ai eu gratuits avec le Xbox Live, donc ils sont installés, prêts à être utilisés, mais faut que je me lance quoi. Après si le premier épisode vous a plu, qu'on veut faire, le 2. Hein, Apple, la centrifuge est arrêtée. Bon sang, on a un rocher de 4 milliards de tonnes collé au cul, et sans la centrifugeuse pour équilibrer, les rayons tracteurs vont nous faire tomber sur la colonie. Je vais me rendre là-bas, voir ce que je peux faire. Ok, donc ça se passe là-dedans. On a 3 points, on va en garder un, on va en utiliser 2 alors. Qu'est-ce qu'on améliore? Un module de stase, en tout cas je suis bloqué parce que si j'en veux... Le rig ça pourrait être pas mal. Stase, ça fait chier. Je pourrais peut-être augmenter la durée et l'énergie quand même. On va commencer à améliorer la durée. On passe de 8 secondes à 10 secondes. La prochaine fois que j'en ai, j'améliore l'énergie, puis après on verra pour améliorer d'autres choses. En tout cas, on pourra pas tout améliorer en une partie, c'est impossible. Comme tous les jeux d'ailleurs. Rien de spécial là-dedans. En tout cas, la porte m'indique bloquée là-bas. Décontamination en cours. Veuillez patienter. Je bouge pas, mais. Oh. Là. Ils arrivent. Cherchez pas les gars, je suis armé. Les gars, je sais pas, je suis armé et violent moi. Vite, vite, vite.
qu'il est. Non. Je crois que je lâche. On va changer d'un. Décontamination terminée. Merci de votre compréhension. Compréhension, mon œil. Ça, c'est marrant que ça fasse vert ça avec les... Hop là, phosphorescent, enfin phosphorescent, c'est... Oh, un cercle. Ah bah l'objectif. Ah, je peux le prendre. Ça doit faire mal. Oh oui. Mais ce truc c'est... C'est gore quoi. Semi-quoi? Ah ok, je me souvenais plus de l'or. On va aller dans l'espace, t'es obligé. Zone sans gravité. Entrée zone sans gravité.
Centrifugeuse inactive. Veuillez replacer les générateurs manuellement, puis revenir à cette station. Ok. Je pensais que ce serait un peu plus simple. Alors. Ok, j'ai compris le truc. On va descendre ici. Allez, je vais avoir des bestioles qui vont arriver. Je pense qu'on va être dans la merde. Il y a de l'oxygène partout. À mon avis, dès que j'aurai remis tout ça. Générateur positionné. Centrifugeuse active. Là, vas-y, viens. Je peux pas venir, attends. Voilà, on met tout le stase. Centrifugeuse activée. Rétablissement de l'équilibre gravitationnel. Gravité restaurée. Entrée espace vide. Là, ça sent pas bon par contre, on est mal barré. Beau travail, Isaac. Centrifugeuse et gyroscope stabilisés à 100%. Sortez de là et concentrez-vous sur le moteur. Il nous reste encore. J'avais dit, je suis mort, je m'en doutais. J'ai vu le truc et là tu me parles, abouti. Du coup, je courais plus. Centrifugeuse activée. Rétablissement de l'équilibre gravitationnel. Gravité restaurée. Entrée espace vide. Beau travail, Isaac. Centrifugeuse et gyroscope stabilisés à 100%. Sortez de là et concentrez-vous sur le moteur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore.
partie zone sans air. Mais plus de ça, franchement, c'est cool. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? On a un monstre tentaculaire, j'ai envie de dire, qui est pas loin. Ça promet. Hein. Ok. Encore des ennemis. Ils m'ont suivi, je me suis enfuie et Amanda. Il a disparu. Kendra ? Où êtes-vous ? Heureuse que vous soyez en vie, Amanda. Je me suis réfugiée dans le centre informatique. Je les entends rôder tout près, mais ils ne doivent pas savoir que je suis là. Je peux accéder à tout d'ici. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé des rapports de la colonie. Avant même de briser la planète, les colons avaient déjà fait face à de nombreux cas de démence. Ça serait lié à un vestige qu'ils ont trouvé sur la planète. Ils parlent d'un monolithe. Monolithe. Je vais continuer. J'ai votre position, je vais débloquer l'accès aux réserves de fuel. Elles vous mèneront à la salle des moteurs. Ben voilà. On sait où on doit aller. Alors, est-ce qu'il y a un truc de stock là? Oui. Alors, on va peut-être pas se prendre une arme tout de suite, on est pas mal. Par contre, qu'est-ce qu'on a en trop? Alors, on a plein de kits de soins. On va en déplacer un. Ça, faut le vendre. 3000, voilà. On va se virer les recharges. On va se garder une petite, on se vire une stase. Énergie plasma 17, dent trancheur, j'en ai encore pas mal. Oh putain, on est bien là. Parfait, parfait. Je pouvais rien acheter d'autre de toute façon. Ben c'est parfait les amis, on va se laisser là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça carbone. C'est le cas ici. Voilà, à partager la vidéo, à liker, mais sur le petit pouce bleu fait plaisir. Lâchez des commentaires. Et moi je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois pour la 5e partie de ce Dead Space. Allez les amis, sur ce, portez-vous bien et ciao, bye bye.